Total 10 présumés bandits opérant dans les communes annexes et des Rouachi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga sont tombés dans le filet de services de sécurité. Comment et quand? La réponse dans ce journal. Reprise du trafic entre la ville de Bukavu et Kalonge, coupée il y a 10 ans dans le sud Kivu, une route d'intérêt national pour booster l'économie locale. Le chevalier de la plume de plus de 20 pays d'Afrique et l'île de Madagascar ont été outillés sur le défi de l'assainissement dans les continents noirs. À suivre également dans ce journal, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par les activités du chef de l'État. Poursuivant sa mission officielle à New York, le président de la République a participé hier vendredi à un important forum économique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu en tête à tête par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de New York. Un reportage de Giscard Koussema et Kazo Kazadi. L'initiative mondiale pour les affaires en Afrique, Gabi, a réuni dans cet hôtel de Manhattan des entrepreneurs et décideurs triés sur les volets objectifs, échangés sur les opportunités d'affaires en Afrique, un continent qu'il qualifie d'inarrêtable au vu du nouvel élan pris par ses dirigeants. Invité d'honneur à cette conférence des Gabi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté les nombreux atouts d'investissement et sa vision de la transformation locale des minerais congolais. La République démocratique du Congo a décidé, elle, désormais, de faire de la transformation locale une priorité. Nous sommes lassés de devoir toujours servir de terre d'extraction, de voir nos minerais et nos ressources naturelles partir vers d'autres lieux où on irait les transformer. Nous voulons le faire désormais localement, en développant des chaînes de valeur et en donnant du travail et de la richesse à nos pays et à nos populations. Nous avons aujourd'hui un plan d'industrialisation dans notre pays et qui nous permet de créer donc ces zones économiques spéciales qui sont de véritables incitants pour les investisseurs à amener leur savoir, leur capacité en République démocratique du Congo et nous aider à développer ensemble ces activités chez nous. De la parole aux actes, des manifestations d'intérêt ont été enregistrées séance tenante. Un entrepreneur s'est même proposé d'investir à hauteur de 350 millions de dollars américains. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, s'est félicité de ce pragmatisme. Voilà pourquoi la réunion qui vient d'avoir lieu tout à l'heure a été l'occasion pour l'ambassadrice Roya de pouvoir donner la disponibilité de sa société, de son lobbying, à pouvoir accompagner la vision du président de la République par un financement de 350 millions de dollars pour raffiner les cobalt et les cuivres en République démocratique du Congo à travers une entreprise 100% congolaise. Et le chef de l'État a tenu à féliciter ce partenariat qui est déjà tissé entre les deux et rassurer que le côté congolais va financer effectivement les études de faisabilité. Par ailleurs, 48 heures après son discours à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien en tête-à-tête avec le secrétaire général Antonio Guterres. À l'issue de cette entrevue de près d'une heure, les deux personnalités n'ont fait aucun commentaire à la presse. Dans son discours à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État, abordant des questions cruciales liées au changement climatique et au crédit carbone, a appelé à une révision profonde des approches mondiales pour lutter contre le réchauffement planétaire et à la mise en place d'un marché carbone équitable. Retour en image du discours du chef de l'État. Monsieur le Président, un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Point n'est encore besoin de rappeler que l'augmentation de la température depuis quelques décennies affecte la vie de toute l'humanité et nous préoccupe tous. Cependant, force est de relever qu'en dépit des proclamations de foi des pollueurs en faveur de l'arrêt de l'émission des gaz à effet de serre, de multitudes de forats organisés à travers le monde pour combattre ce fléau dont
les 27 COP, conférences des pays membres de la Convention de l'ONU pour la lutte contre les changements climatiques, et de multiples résolutions et recommandations adoptées à ces différentes instances, le réchauffement de la planète est loin de se maintenir à 1,5 degré Celsius. Bien au contraire, à la COP27 tenue à Sharm el-Sheikh, en Égypte, cette année, des inquiétudes se sont manifestées sur une tendance à la hausse de cette température. Ce constat peu rassurant appelle sans doute à la revisitation de nos approches et des politiques adoptées. Dans ce cadre, le sommet africain sur le climat qui vient de se tenir à Nairobi au Kenya, sous la direction conjointe de l'Union africaine et de la République du Kenya, du 4 au 7 septembre dernier, a été une initiative salutaire et très opportune qui traduit la détermination de l'Afrique à participer activement au traitement de cette question vitale et de compter désormais comme un poids lourd incontournable dans la solution du réchauffement planétaire et de l'économie du futur plus verte et responsable. Les Africains sont sortis du sommet avec un cahier de charges commun, contenu dans la déclaration de Nairobi et axé notamment sur la réforme de l'architecture du système financier international pour plus d'équité, la restructuration et l'allègement des dettes de leur pays, la transformation locale de leurs produits et la mise en place d'un régime de taxation de carbone incluant une taxe sur le commerce des combustibles fossiles ainsi que sur le transport maritime et aérien. Ils ont rappelé également aux riches pollueurs un engagement pris en 2009, mais non encore honoré jusqu'à ce jour, de fournir 100 milliards de dollars américains en financement climatique. La République démocratique du Congo demande aux Nations unies et à l'ensemble de la communauté internationale de prêter une attention particulière aux revendications légitimes de l'Afrique. Dans ce cadre, mon pays appelle à la création d'un marché carbone équitable et des prix incitatifs tout en renforçant l'efficacité des financements climatiques. Il espère une opérationnalisation rapide de l'article 6 de l'accord de Paris et soutient l'idée des partenariats mutuellement bénéfiques entre l'État et les secteurs publics. C'est dans la même logique que la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire, public ou privé, pour mettre en valeur ces minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux, notamment ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue, déterminée, comportant des mesures d'atténuation axées sur 4 secteurs prioritaires, l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transferts de technologies, ainsi que des mesures d'adaptation. La coordonnatrice des services spécialisés du chef de l'État en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, Chantal Yelomoulop, porteur d'un message du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue de la République sœur de la Guinée équatoriale, son Excellence Théodore Obiang-Nguema, en vue d'obtenir le soutien de ce pays à la Convention de l'Union africaine de lutte contre ces fléaux, laquelle devra être adoptée par le chef d'État africain en février 2024. Le détail avec Chimène Dondo. Malabo, capitale de la République sœur de la Guinée équatoriale. Émissaire du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chantal Yelomoulop, porteuse de message de président congolais à son homologue de la Guinée, le président Théodore Obiang-Nguema, la coordonnatrice de service spécialisé du chef de l'État, qu'accompagnait Madame Tcham Lesso Nadine, ambassadeur de la RDC en Guinée équatoriale. Chantal Yelomoulop a été tour à tour reçue par le secrétaire d'État aux affaires étrangères ainsi que la ministre
en charge de la promotion des droits de femmes et des affaires sociales. Question d'obtenir le soutien du pays hôte à la Convention de l'Union africaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été nommé champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine. Nous sommes venus plaider pour la convention qui va avoir lieu en février 2024 en Afrique du Sud. Mais entre-temps, il y aura plusieurs rencontres qui vont se faire pour pouvoir trouver des solutions. Et de là, on pourra aller à la convention. On sait que nous allons avoir l'appui, c'est-à-dire que le président de la République de la Guinée équatoriale va appuyer la convention et pour qu'on puisse amener cette loi sur la masculinité positive. Il s'est souligné que Mme Chantal Yelomoulop a obtenu de ses hôtes les assurances du pays de Théodore Obiang-Nguema qui adhère à la démarche et accordera le vote utile. Fin de travaux du Forum régional sur la conservation de la nature et les droits des communautés locales, les peuples autochtones. Les participants à ces assises ont formulé plusieurs recommandations à l'endroit des gouvernements de pays du bassin du Congo pour atteindre les objectifs du cadre mondial 30-30 sur la biodiversité. Jean-Richard Kwale, René Nguangou nous en disent plus. À jour les stratégies nationales de conservation dans les aires protégées conformément aux objectifs du cadre mondial de la biodiversité post-2020, c'est la principale recommandation formulée par les participants au forum régional sur la biodiversité et les droits des communautés locales et peuples autochtones qui s'est tenu à Kinshasa du lundi 18 au mercredi 20 septembre 2023. Les pays du bassin du Congo, dont le Gabon, le Cameroun, la République du Congo ainsi que la République démocratique du Congo, se sont convenus de mettre en place un cadre d'échange et de plaidoyer pour le partage d'expériences des actions qui concourent à l'atteinte des objectifs 30-30 au niveau de la sous-région. L'ensemble des échanges a permis de constater qu'on ne peut plus parler de conservation efficace sans la prise en compte d'une approche basée sur les droits. Il faut davantage de moyens pour encourager toutes les démarches qui sont initiées sur le terrain. Dans la gestion et exploitation de ces aires protégées, il y a toujours des problèmes, il y a beaucoup de conflits. Maintenant, aujourd'hui, avec ce forum, on a montré qu'il y a de nouveaux outils pour essayer d'humaniser les aires protégées. La forêt, c'est la terre, c'est la communauté, c'est le chef. On ne peut rien faire si au préalable, on n'associe pas la communauté locale. Et ici, le grand souci de ces forums, c'est trouver le point d'ancrage de la communauté locale, des peuples autochtones. Je pense que c'est un travail à encourager parce qu'on a touché le fond. Aux partenaires techniques et financiers de mobiliser les fonds pour soutenir d'autres fora sur la conservation et les droits fonciers, y compris les actions tendant à améliorer les conditions de vie des communautés locales et peuples autochtones. Comme annoncé dans les titres, le journaliste de plus de 20 pays africains et l'île de Madagascar ont été informés sur le défi de l'assainissement en Afrique. Une formation tenue en ligne par les réseaux de médias africains pour la promotion de la santé et l'environnement. Constance Mananga pour le reportage. Le problème d'assainissement se pose avec acuité en Afrique. Tenez par exemple, 839 millions d'Africains ne disposent pas des services d'hygiène de base et 208 millions pratiquent la défécation à l'air libre, ce qui expose les communautés aux différentes maladies des mains sales. Des chiffres évoqués par Roxane Fian, chargée des programmes assainissement de l'ONG internationale Speak Up Africa. C'était au cours d'un webinaire organisé avec près de 50 journalistes du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAPSEN sous le thème « Les défis de l'assainissement en Afrique ». C'est une question d'appropriation et un problème aussi de priorisation du sous-secteur de l'assainissement pour atteindre les ODD. Il faudra redoubler les efforts actuels à plus de 12 et ce, il y a l'assainissement à 20. Donc, l'assainissement étant défini comme ensemble d'actions visant à améliorer les conditions de vie humaine des communautés en référence aux conditions de santé publique liées à l'eau potable, au traitement et à l'élimination des excréments humains et des eaux usées. Le président exécutif du REMAPSEN, Youssouf Bamba, a exhorté les journalistes à plus de production. Et ces derniers ont émis le vœu de voir Speak Up Africa étendre ses actions dans leurs pays respectifs.
Deux vice-ministres en charge de mines et des hydrocarbures ont co-présidé la cérémonie de la sortie officielle du documentaire « Les richesses du Congo par ses fils ». C'est dans l'appropriation de la vision du chef de l'État axée sur la création des millionnaires congolais. Témoin de l'événement, Pierre Mbouyou Saïdi. Le secteur médiatique congolais, par le biais de sa production audiovisuelle, vient de s'enrichir d'une enquête documentaire d'une quarantaine de minutes dédiée aux sous-traitants miniers nationaux ayant émergé et connu un succès économique, à savoir les richesses du Congo par ses fils. Une exaltation du patriotisme congolais saluée par deux membres du gouvernement présents à la sortie officielle de cette enquête journalistique. La sous-traitance est un cliché. Très souvent, on utilise les Congolais comme prête-nom. On doit arrêter cette histoire. L'autorité de régulation de la sous-traitance, qui n'existait pas, aujourd'hui existe, ce qui veut dire que la sous-traitance est entrée dans les cultures. Cette enquête, réalisée aussi bien à Kinshasa qu'à Johannesburg en Afrique du Sud, en passant par les villes congolaises de Lubumbashi et Kolwezi, un documentaire qui retrace les parcours élogieux de certains opérateurs économiques congolais spécialisés dans la sous-traitance dans le secteur minier, regroupés au sein de l'association des sous-traitants en RDC et du Club national des sous-traitants, constitue l'une des appropriations phares et concrètes de la vision chère au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision axée sur l'émergence des nationaux. Vous vous souviendrez que le chef de l'État avait émis le vœu que les mines des sous-sols de la RDC doit aussi et surtout profiter aux Congolais. Il convient de marteler que cette enquête documentaire, qui se retrouve déjà dans toutes les plateformes médiatiques, est la première du genre et sera élargie dans les prochains jours aux autres secteurs et domaines de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Mobilisés comme un seul homme pour soutenir leurs compatriotes, les Congolais vivant à l'étranger au sein de la Fédération de la diaspora congolaise a offert de manuels scolaires à quelques écoles du pays, notamment l'école Baudouin-Hélène Angaliema. Séverine Pascal nous en dit long dans ce reportage. Ils sont nombreux à avoir choisi une seconde patrie et vivre en dehors du pays, mais gardent des attaches solides avec leur pays d'origine et particulièrement leurs compatriotes. Réunis au sein de la Fédération de la diaspora congolaise, ces derniers se saisissent de chaque opportunité pour poser des actes de solidarité et de fraternité de nature à favoriser le développement dans ces différents aspects. Au moment où la rentrée scolaire fait la grande actualité, rien de plus propice pour offrir de manuels et fournitures scolaires aux écoles de la RDC. Premier point ciblé, l'école Baudouin-Hélène à Manenga dans la commune d'Engaliema, où le promoteur Nono Makonko a salué ces gestes qui rend encore plus efficace et compétitive la formation des élèves de cette école. La série va se poursuivre dans d'autres écoles, a noté Maître Diedoné Chibouabouamboui, président de cette fédération, qui est revenu une fois de plus sur sa plaidoirie en faveur de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine afin de mettre fin à l'exclusion dans ces sont les Congolais vivant à l'étranger. Vos parents, vos frères, et vos grands-parents qui sont à l'extérieur de ce pays ont pensé à vous. Nous sommes envoyés pour pouvoir fournir l'outil nécessaire pour votre année scolaire. Il sera aujourd'hui symbolisé par les livres. Pasteur de son état, Maître Diedoné Chibouaboua a prié pour une meilleure réussite de la jeunesse montante, du reste, l'avenir du pays. Cap sur les provinces. En Ituri, la délégation de la présidence de la République en tête, le chargé des missions à l'est du chef de l'État, Pacifique Kachacha, appelle la population de ce coin à soutenir les actions de développement amorcées par le chef de l'État sous l'œil vigilant du gouverneur militaire. Reportage. Bougna se transforme le jour au jour, jamais auparavant. Plusieurs quartiers sont à ce jour asphaltés, rendant fluide la circulation à la grande satisfaction de la population longtemps abandonnée. Un peu tard la nuit, après avoir parcouru les quartiers Roho, Ri Ituri, Pont-Onglet, jusqu'au quartier Sayou, ce vendredi matin, la mairie de la ville de Bougna, le chargé de mission du président de la République à l'est du pays, Pacifique Kacha, accompagné du gouverneur militaire du Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny, remercie.
le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses actions de développement en faveur de la population locale. Depuis qu'on a fait le démembrement, qu'on a fait le découpage de la grande province de l'Ituri, la première fois qu'un gouverneur s'est rendu à Mungwalu, c'est il y a à peine 3 mois. C'est le général Luboya. Parce que la route a été réhabilitée. Même sentiment exprimé par le conseiller principal au collège éducation, culture et arts et questions religieuses, la BTO Tshilombo. J'ai dit vraiment merci au gouverneur pour tout ce qu'il est en train de réaliser et je demande à la population de pouvoir soutenir les actions de son Excellence Monsieur le Président de la République et de soutenir également le gouverneur de province général pour tout ce qu'il est en train de réaliser. L'avènement de l'état de siège sous le leadership transformationnel du lieutenant général Luboyan Kachoma Djouni a apporté un changement sur les plans sécuritaires et un élan de développement dans le secteur d'infrastructure à Bounia, tout comme à l'intérieur de la province. Quittons la province de l'Ituri pour le Sud Kivu, la population de Kalenge en territoire de Kalehe remercie le gouvernement de la République à travers son projet Picagel pour la reprise du trafic entre la ville de Bukavu et Kalenge en passant par la route Madiriri coupée il y a 10 ans. Reportage. La population et les usagers de la route des dessertes agricoles, axe routier, Madiriri, Kalenge, Chifunzi, en territoire de Kalehe, au sud Kivu, saluent les travaux déjà réalisés par l'Office des routes avec les financements de la Banque mondiale dans le cadre du programme Picagel, un projet du gouvernement congolais. Plus de 20 km des routes en terre battue, 29 dalots et 3 ponts sont déjà opérationnels conformément aux composantes 1 et 2 du projet Picagel qui vise à relier les zones de production et les marchés. Après 10 ans de souffrance aujourd'hui, les véhicules, voitures, les minibus, les motos ainsi que les camions font un aller-retour au moment où les camions faisaient plus de 2 semaines pour aller seulement et les voitures et autres engins de petit tonnage n'accédaient pas à la zone. Le trafic est repris malgré quelques soucis qui restent et qui nécessitent des corrections avant la cérémonie des réceptions provisoires. Il est observé aujourd'hui les voitures qui roulent aisément même pendant la pluie grâce aux matériaux posés par l'Office de route. Les constats étaient faits ce vendredi 22 septembre par M. Bob Kataï, chargé de communication de Picagel Sud Kivu, qui a effectué une mission avec les journalistes afin de palper du doigt la réalisation du projet qui compte aujourd'hui 324 km de route à travers les 5 territoires d'intervention, notamment Kalehe, Walungu, Kabare, Uvira et Fizi. Restons toujours dans le sud Kivu, cette fois-ci avec l'appui de l'UNICEF à la Journée internationale de la paix en finançant la structure de jeunes ambassadeurs de la paix qui aura comme mission de prévenir le conflit dans leurs milieux respectifs. C'est sur ce thème, action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux que la province du Sud Kivu a célébré ce jeudi 21 septembre, la journée internationale de la paix. À cette occasion, le ministre provincial de l'éducation, M. David Mobalama, a lancé officiellement le programme des ambassadeurs de la paix, une structure de jeunes qui s'engage pour la cohésion sociale, l'éducation de la paix et la prévention des conflits dans la province. Ces derniers auront comme mission de prêcher la paix et de prévenir les conflits dans leurs environnements. L'activité a été appuyée par l'UNICEF dans le cadre du programme d'éducation pour la consolidation des paix en vue de contribuer aux objectifs du gouvernement congolais sur l'éducation et la paix depuis 2014. En République démocratique du Congo, plus de 3300 écoles primaires bénéficient du programme d'éducation à la paix. Plus de 12,700 enseignants ont été formés sur l'éducation à la paix en milieu scolaire, plus de 600 clubs et comités de paix mis en place en province grâce à ce programme. La journée s'est clôturée par les activités culturelles, notamment les récitals de poèmes, la présentation des théâtres et l'exhibition des danses pour inviter la population à la cohabitation sociale. Monsieur Emmanuel Tshibangu, chef du programme éducation à l'UNICEF Sud Kivu, Maniema, exhorte les jeunes ambassadeurs à être des bâtisseurs, constructeurs et cultivateurs de la paix.
Joli coup de filet pour le service de sécurité de la ville de Lubumbashi qui ont mis la main sur 10 présumés bandits opérant dans les communes annexes et de Rouachi. Ces derniers ont été transférés au parquet après leur présentation auprès de l'autorité urbaine de Lubumbashi. Tony Mutong. Présumés malfrats, 10 au total, sont tombés dans le filet des services de sécurité. Ils avaient l'habitude de commettre leurs forfaits dans les communes annexes et de Rouachi, principalement à proximité du marché Zambia. Amissi Ramazani, une trentaine révolue, est le chef du premier groupe spécialisé dans l'extorsion des biens des valeurs de la population au passage sur les axes principaux entourant les marchés Zambia. Tous habitent le quartier Luowoshi. Le deuxième groupe est constitué des présumés semeurs des troubles de l'ordre public lors des récentes manifestations survenues mardi dans la commune de Rouachi. Parmi eux, un mineur a transféré au tribunal pour enfants. Ils ont été tous présentés auprès de l'autorité urbaine Martin Kazembechula par le colonel Chikala qui fixe l'opinion sur les dégâts commis par ces jeunes. Nos services ont mis la main sur eux. D'ailleurs, lui, il est réputé un grand chemin. C'est un grand récidiviste, ce monsieur qui est là. Et il y a aussi les 6 autres. Ce sont eux qui ont barricadé la route suite aux événements malheureux qui s'est passé hier. Le maire de Lubumbashi, Martin Kazembechula, a encouragé la police et tous les autres services de sécurité avant d'ordonner leur transfert dans des juridictions compétentes pour que chacun réponde de ses actes conformément à la loi. Félicitations pour le travail abattu, parce que lors de notre passage, on vous avait demandé de faire ce travail pour que la population vive en toute quiétude. Le marché Luowoshi, c'était une zone rouge, en quelque sorte. Pendant la soirée, les gens avaient du mal à se promener. Il promet par ailleurs l'installation dans un bref délai du sous-commissariat. Suivez à présent ce qu'a été la matinée de sensibilisation sur le civisme et le développement à l'intention des étudiants de l'ISP Mbandaka. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Le professeur Patrick Mbawa vient d'animer une réflexion sur le civisme et le développement à milieu étudiantin en l'intention des étudiants finalistes de l'ISP de Mbandaka. Il s'agissait pour le patron de cet établissement d'enseignement universitaire de sensibiliser ses ouailles au regard de l'impératif de la formation vis-à-vis des exigences de l'arrimage au système LND, ce système qui veut que l'institution qui l'anime, l'ISP, à l'occasion soit sûr que les étudiants qui lancent sur le marché de l'emploi soient réellement aptes à embrasser ces mondes très compétitifs. Il fallait pour cela rappeler à ces étudiants finalistes la triple exigence du savoir qui doit se conjuguer avec les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre ou les bons sens au bénéfice d'une fiabilité sociale. L'objectif, c'est vraiment d'être sûr que ce que nous lançons sur le marché de l'emploi soit compétitif et qu'il ne soit pas de chômeurs demain. Et pour cela, le maître mot, c'était de marier à la fois la science qu'ils ont acquise pendant leur formation ici avec le savoir-être et le savoir-faire. Bien sûr, vous avez été témoin, c'est un exercice qui a connu la participation des autres acteurs de la vie sociale, dont la police nationale, parce que le civisme, c'est très important. On n'en parle plus assez, mais je crois que notre pays a besoin des citoyens. La justice élève une nation, dit-on. Le tribunal pour enfants de Kinshasa, Kinkole, vient de connaître un nouveau président à la tête de sa juridiction. C'est hier vendredi que Mme Florence Ngalula Mulumba a renouvelé son serment. Reportage. C'est ce vendredi 22 septembre que la cérémonie du renouvellement des serments a eu lieu au tribunal pour enfants à Kinshasa, Kinkole. Madame Ngalula Mulumba Florence a renouvelé son serment en tant que président et elle devient alors celle qui préside aux destinées de cette juridiction. En bref, cette cérémonie était consacrée sur le renouvellement de mon serment en tant que président du tribunal pour enfants de Kinshasa, Kinkole, où je suis maintenant président
de cette juridiction. Plusieurs autorités judiciaires étaient présentes, comme notamment le président de cour d'appel de Kinshasa Matete, avocat Alphonse qui parle du nouveau président du tribunal pour enfants de Kinshasa Kinkole, comme étant l'un de leurs fruits dans le domaine de droit. Le statut recommande qu'à chaque fois qu'un magistrat est élevé en grade, il doit renouveler, avant de commencer à travailler, il doit renouveler le serment. Nous sommes en ces lieux pour assister à l'appréciation ou renouvellement de serment de la présidente du tribunal pour enfants de Kinshasa Kinkole. Pour moi, c'est un grand honneur de venir encore une fois dans ce tribunal et de voir un enfant que nous avons nous-mêmes encadré quand il était venu. Parce que moi-même, j'étais tribunal, c'est moi qui l'ai reçu comme juge quand j'étais président du tribunal pour enfants de Kinshasa Kinkole. C'est moi qui ai commencé avec ce tribunal et pour moi, c'est un honneur. Retenons que le nouveau président a prêté son serment devant le tribunal pour enfants de Kinshasa Kinkole, dont le siège ordinaire se trouve en Kinshasa Ndjili. La prise en charge correcte de maladies chroniques de la peau et celles provoquées par le syndrome métabolique ont fait l'objet de deux projets de recherche présentés et défendus au Japon par le professeur et médecin congolais Roger Ngantou Landou. L'entraîneur de toutes catégories opérant dans les Congo central, Kamek Inkissi, a bénéficié de la part des fonds d'inclusion financière FPMSA d'un financement en prêt senior pour accorder des prêts à moyen terme aux micro, petites et moyennes entreprises et aux personnes à faible revenu. Le partenariat entre les deux structures a été matérialisé par la signature d'un contrat de financement le 9 septembre 2023, ce qui permettra à Kamek Inkissi de poursuivre la fourniture d'une meilleure offre de services financiers en faveur de ces secteurs économiques qui demeure à ce jour l'un des vecteurs stratégiques du développement de la RDC. Partenariat ainsi noué. La CAMEC et Inkissi COPEC. Nous sommes là, ça fait déjà 26 ans et demi. Avec leur accompagnement, nous parvenons à améliorer d'abord notre gestion. Le FPMSA est prêt à soutenir le projet économique dans toutes les provinces, a fait savoir le DGA Patrick Kongo Mambou, qui a fait les déplacements du Congo central. Aujourd'hui, il était quand même important pour nous de s'intéresser à une institution financière qui est à 120 km de Kinshasa, en vue de voir les besoins de la communauté et créer de l'impact et soutenir la croissance liée à leurs activités. Cette coopération répond aux objectifs. Disait donc la reprise en charge correcte des maladies chroniques de la peau et celles provoquées par les syndromes métaboliques ont fait l'objet de deux projets de recherche présentés et défendus au Japon par le professeur et médecin congolais Roger Ngantou Landou. L'intelligence et l'ingéniosité des Congolais continuent d'exploser à travers le monde avec des spécialités dans différents domaines de la vie. Après la médecine à l'UNIKIN et l'école doctorale de Bordeaux en France, le docteur Roger Ngantou Landou, chercheur, inventeur congolais et professeur à l'École nationale de santé publique Kagawa au Japon, a plongé son regard de spécialisation dans les traitements polyvalents des maladies chroniques de la peau allergique, qui est le premier projet, et le traitement des troubles métaboliques en est le deuxième. Ces deux projets de recherche ont été réalisés et présentés par le professeur Roger Ngantou à l'université de Kochi au Japon. La solution pour la prise en charge de toutes ces pathologies est d'origine congolaise par le fait que les plantes desquelles émanent ces médicaments sont venues de la RDC, centrée sur le biomodulaire des filigranes. Toutes ces recherches ont valu au professeur Roger Ngantou, deux brevets d'invention et six prix des meilleurs chercheurs avec la mention Grande Distinction lui décernée par les universités et sociétés savantes japonaises, puis reconnue et enregistrée par l'Organisation mondiale des priorités intellectuelles en Suisse. Premier projet que nous avons soumis au conclave du génie scientifique congolais, le projet en rapport avec la recherche de biomodulateurs de filagrine et de TNF-alpha. Il remercie les autorités congolaises pour les choix portés sur sa personne dans la sélection et le soutien moral. Mais l'actualité reste en continu sur nos antennes tout à l'heure à 20h. Retrouvez Nancy Odia pour la suite de l'actualité. Excellent week-end chez vous et au revoir.